Et salut tout le monde, on se retrouve sur Project Zomboid avec Damned, Katox et Slan. Est-ce que vous êtes là? Non, on est, je crois qu'on est que tous les deux. Katox est parti faire un truc et Damned, on l'a perdu. Bah non, je suis là, mais j'essaye de rejoindre quoi. Et je sais pas où je vais apparaître, c'est ce qui m'inquiète. Ah, t'as des coups du coup? Putain, pourquoi je suis dans un magasin infesté de zombies? Putain, je suis dans un wall! Oh nom de Dieu! Téléporte-moi s'il te plaît, Slan, parce que là je vais crever. Qu'est-ce que c'est que ce bug? T'as dû continuer tout droit en voiture, un truc du genre, et apparaître dans le... J'étais en plein milieu du centre commercial, ça, et j'avais 50 zombies qui arrivaient sur moi. Genre la mauvaise vanne, quoi. Mon gars, il est terrorisé. T'as une petite blessure, ça va. Arrête de te plaindre. Oh, mais quel shot, ce gars. Non, mais j'ai pas été mordu ni rien, mais c'est bon. Tu voilà, les as vus arriver, quoi. Nouvelle, quand même. J'ai une bonne nouvelle, hein. Ouais. Maintenant qu'il pleut plus, j'ai trouvé un imperméable. Je le pose au sol au cas où. J'ai trouvé des parapluies tout à l'heure. Je me suis fugitivement demandé si c'était réellement utile. Ouais. Puis je les ai pas pris du coup. J'ai un sac de banane devant maintenant. Qui a refait le sol de ma pièce? Je t'avais dit qu'il était beau ton sol, tu me croyais pas. Katox. Oui. Ouais. Ça t'amuse? Non, moi je te veux parler. Ouais, c'est ça, ouais. Excellent. Il est splendide, non? Non, pas vraiment. Parce que t'as des goûts de chiottes, des goûts de... Bon, allez. Ah non, mais celui qui est à l'entrée, il rentre pas bien, là. Il est pas bien ajusté. Si tu veux pas que j'aille démonter tous tes trucs que t'as fait sur le toit, je t'inviterai gentiment à me enlever tout ça. Alors, pourquoi je suis... Bah, il te faut un sol désinfectable, je suis désolé, Dame Ned. Mm-hmm. Oui, c'est sûr que le bois c'est pas le meilleur, je suis d'accord avec toi. Mais là. C'est un sol plastique, mou, comme ça. Non, mais c'est moche, les trucs ils se coïncident même pas entre eux, ça ressemble à rien. C'est vrai qu'il y en a qui coïncident bien et d'autres ça marche pas du tout quoi. Non, c'est dégueulasse. Bon. Du coup, Katox, je compte sur toi. Bon alors, ça a marché votre expédition du coup? Vous avez trouvé un meuble ou pas? Bah, à part que j'étais téléporté dans un Walmart, ouais. Genre 1m3, ouais. Pas mal. Alors, ceux qui veulent des confiseries, il y a les deux caisses à côté de... J'ai ramené un peu de confiserie. Alors, il est où le camion? Il y a besoin de le retaper ou pas? Le Nox, j'ai pas dû l'abîmer beaucoup. Tu l'as garé où devant? Là, je l'ai garé là où c'est arrêté, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a à la fois le devant du camion à réparer et un peu l'arrière de la bagnole contre qui je me suis garé. Oh putain. Mais où est-ce que tu t'es garé? Ah, t'es j'adore là. J'adore comment il dit ça. Je peux même pas passer, quoi. Il y a le véhicule à réparer et il y a celui qui était devant. Et puis en sortant, j'ai donné un coup de portière sur celui d'à côté. C'est rien, c'est des égratignures, hein, on s'en remet vite. Hein. En ouvrant le coffre, j'ai défoncé la porte du garage, mais bon, à part ça, y a pas grand chose à faire. Bon, je t'amène ton premier casier, et puis il va falloir que je monte menuiserie parce que. Avec 45%. Je suis sûr, t'as pété le moteur, c'est le truc le plus chiant à réparer, quoi. Ouais, bon, c'est pas dur. Bon, le capot est à 13%. T'en as beaucoup à les réparer. Je peux prendre les détritus qui sont par terre? Putain, je vais découvrir un truc. Oui, tu peux les prendre, mais après, tu peux rien en faire, donc faut les jeter. Bah ouais, mais c'est bien. Alors, ça. Alors, casier en métal, où est-ce que je te le mets à côté de l'autre? Ouais, s'il te plaît, déjà on mettra un à côté de l'autre. Les autres après, tu peux les laisser pour moi dans le véhicule, parce que je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais déjà... Voilà, c'est fait. Ah, t'es trop, t'assures trop. Katox, c'est quoi ton meilleur sac? Tac-tac, grand sac de randonnée. Ok. Bah, mon sol. Moi, c'est un sac marin que je sais pas ce qui est le mieux. C'est ce qu'on a, nous, grand sac de randonnée. Ah, j'en ai deux. J'en veux bien. Hein. Non. D'accord. Nous, pas en expédition, faut qu'on ait les meilleurs sacs tout le temps. Notamment, par exemple, un sac de marin, tu peux pas mettre un truc à 20 dedans. Nous, en tout cas, on peut pas, parce que c'est 18. Alors qu'un grand sac de randonnée, on peut ramener un four, on peut ramener un truc comme ça dedans. Donc, mais tout le monde en a du coup, si Katox en a un et que toi t'en as un, tu peux lui filer. Il en faut 3 pour pouvoir ramener plusieurs trucs. Ah. Tu sais que moi j'en ai un depuis qu'on est parti de l'ancienne base. Hein. Ouais, bah oui. Moi je les trouve petit à petit.
Ce qu'il nous faudrait, c'est des grands sacs militaires. Mais ça, on n'en a pas trouvé. Qu'est-ce que je fais? C'est bon, je t'ai réparé le capot. T'essaieras de pas trop l'abîmer parce qu'on n'en a pas beaucoup d'autres. Ah si, bah, par contre, dans le véhicule, faut que j'aille chercher mon... sac marin. C'est ça. Je vais peut-être ramener celui-là. Je vais peut-être poser au sol. Et on n'avait pas trouvé des munitions, je crois. Ah, je suis sûr qu'on avait des munitions, quoi. Après, moi, j'ai un fusil, hein, sur moi, avec... Non, bah j'ai trouvé un fusil aussi, mais le problème du fusil, c'est que tu peux pas le mettre... Enfin, tu peux pas le mettre à la ceinture. Alors du coup, j'ai trouvé un 44, je me suis dit, je vais prendre un petit 44, mais... Il faut un holster. Bah oui. Alors, le sac marin que t'as ramené, il est vide, donc ça doit pas être celui-là. Tant pis, je vais prendre mon 38. Hein. Ah, t'avais quelque chose dans ton sac marin ? Il était plein. Alors, j'en ai pris... Alors, le mien, il est vide, celui que j'ai là. Il était dans le coffre, hein, moi, donc tu peux pas te rater. Hein. Bah, moi, ils sont vides, mes sacs. Bah ouais, mais il y avait des trucs dedans. Mais alors, peut-être que je les ai posés dans l'entrée. Tu vas regarder. Bah non, dans l'entrée, il y en a un, il est vide. Il y en a un qui est vide. Ah oui, bah alors, il y a celui qui reste dans la voiture, peut-être. Dans le coffre. Bah voilà, et bah tout va bien. On est d'accord. Ouais. Je savais pas si je l'avais ramené ou pas, celui-là. Oh, j'ai pas lu la menuiserie, flûtre. Je reviens. Peut-être qu'il faudrait que je lave mes affaires, que je boive, que je mange. Regardez autant que ça, quand même. Voilà, porté sur le dos. Voilà, extrêmement lourd. Ah, un petit merde. Peu de munitions. Après, si tu fais beaucoup de sorties pour aller récupérer des trucs, y a pas de problème, je te file des grands sacs. Hein. Ça m'arrive, mais bon. Après, mais le truc, c'est que toi, un sac marin, ça transporte autant que nous, un grand sac de randonnée. Mais après, moi, j'ai le problème, c'est que de toute façon, au pire, au maximum, j'ai 14. Et en fait, même si le sac réduit, hein, c'est très bien, je suis très rapidement trop plein en fait. Ouais, mais on est toujours en surpoids, nous, hein, de toute façon. On est toujours en train de se casser le dos. Dès que tu ramènes un meuble, tu te casses le dos. C'est vrai. Ce jeu est très réaliste. Non. Je t'ai ramené plusieurs fours en même temps. Rangé dans un sac, ouais, à dos. On a plus de moteur, on a plus de capot. Ouais, mais ça se fait. Ça va. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon à bouffer? Poulet et légumes rôtis. Oh, ça a l'air trop bon. 91 de faim. Ah ouais, bah je vais prendre un quart seulement. Ah bah oui, non mais je commence à vous faire des petits plats mitonnés. Hein. Ça te nourrit même de la soif. Ah bah attends, j'ai mis du miel et et de l'huile végétale dedans. Je leur prends un quart du coup. Wow. Ok, donc ça... Ah oui, c'est vrai, c'était la poubelle avec laquelle j'avais réussi à rentrer tant bien que mal. Donc celle-là, on n'en fera rien. Et celle-là, je crois qu'on n'avait pas les clés. Alors, je lis la menuiserie, un bouquin, et je vais aller augmenter. Je suis en train de mourir de soif, c'est peut-être problématique ça. Non. Pas top. Je sais pas, je vois ma vie qui descend. Ouais, mais bon. Au pire. Au pire, tu meurs, c'est pas grave. Ah ouais, tiens, il y avait ça, c'est que je voulais vraiment faire. Bidon d'essence. Spécial. Où sont les allumettes? Éviter de tirer par accident. Les allumettes, je crois qu'elles ont atterri dans le meuble où il y avait les outils. Ouais, je crois en avoir vu aussi là-bas. J'étais en train de me dire, je me dirigeais là-bas. Les meubles, il y en a plein. Allumettes. Je préférerais un briquet. Ah ouais, c'est vrai que ça pique, hein. Passer de 82 à 0% en prenant quelques pièces de moteur. Est-ce que du coup, elles ont une qualité ou un truc? Ah mais on en a plusieurs, peut-être que selon le niveau de d'usure on peut en avoir plus ou moins. Et hop c'est parti, on répare. L'autre il va nous remettre tous les véhicules à neuf en 2 secondes. Ah ouais non franchement ça pique. Hein. Qualité du moteur 56, j'ai pas vu, ils ont une qualité de moteur les moteurs. Non, bah je continue de retaper le petit bus de l'armée là. Attendant que Katox il me fasse des pare-buffles et autres portes blindées. Ouais, sauf que ça prend beaucoup trop de métal et que pour l'instant, il arrive pas. J'ai vu qu'il y avait une recette pour fabriquer du métal d'ailleurs. Ah, oui, carrément. Il me semble avoir vu d'un truc comme ça, fabriquer des plaques de métal.
pas du tout. C'est un truc de tuning. Ah, un truc de tuning. Dans les recettes, en plus là, il me semble avoir vu un truc. Parce que je suis d'accord, hein, vu le prix de métal que ça coûte de fabriquer les trucs, il te faut du rab quoi. C'est bugué. Qu'est-ce qui est bugué ? Le bidon d'essence, même en tant que host, ça marche pas. Et pourtant, sur cette même version, j'avais réussi. En jouant en multi. Donc c'est assez bizarre. Mais parfois, t'as le feu qui est désactivé sur le serveur. Ouais, mais là, je l'ai pas désactivé. Alors, c'est que... Voilà. On regardera... je regarderai quand même les paramètres, mais... Ça serait trop triste. Ce serait pas pratique, c'est sûr. Ah, j'ai dû dire. Ah non, Choupiti, c'est absolument pas équitable de réparer le moteur. En gros, pour le moteur, quand tu démontes un moteur, genre qui est à 80%, ça te donne 8 pièces de moteur. Il tombe à 0. Ouais. Du coup, tu perds 80%. Et quand tu répares, eh ben, ça te donne 1% par pièce de moteur que t'as fait. Donc, tu perds 10 de. Dans le trade. Quoi. Bah, c'est un facteur un 10 de 1 à 10, quoi. Ouais. Mais peut-être que. Quand il sera bien super meilleur, ça changera. Peut-être, ouais. Peut-être. Bon, je suis déjà level 5, c'est pas si mal, mais peut-être que ça s'améliorera. J'ai beau être sourd, est-ce que c'est l'hélico que j'entends au-dessus de moi ? J'entends pas moi, donc non. Je vais être plus sourd que toi. J'entends mon cœur qui bat, mais c'est tout. Ah si, ça y est, je l'entends. Ah si, ouais, effectivement. Ça pue. Faut fuir, non ? Bah, on ferme les portes et puis on prend la... Je vous paye faut s'éloigner un... parce que ça va nous amener tout le monde à la base, hein. Je vous paye un tour dans mon nouveau bus si vous voulez. Bah, je vais aller démonter des meubles un peu dans les maisons un peu partout. Qui c'est qui veut faire un petit tour en bus de l'armée ? Bah moi la dernière fois que j'ai fait un tour dans un véhicule ça s'est mal passé, mais bon à la limite... Oui mais c'était Slan qui conduisait. Oui. Moi je fais pas ça. Mais non mais normalement je sais que si on reste là, l'hélico restant au-dessus il va attirer tous les zombies sur la base. Bah c'est pour ça que je propose de se barrer. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas où t'es. J'arrive. Non, je referme les portes derrière moi quand même parce qu'on sait jamais. Oh, je suis en parfait état. J'ai mal nulle part. T'es sur le parking là ? Ouais, je suis dans le camion, je t'attends. Ok, j'arrive tout de suite. Je ferme la grille. Oh la vache ! C'est dans ça. Le truc à US Army là ? Ouais. Oh la vache ! Changer de siège. Y'a que 6 sièges. Mais c'est de l'arnaque. Ouais, ils sont pas mieux que les que le reste en fait. Ils ont un tout petit coffre aussi. Mais bon, c'est la classe quoi. Je pense qu'il y a un max. Et que ce max n'a pas été... n'est pas modable. Parce qu'ils ont beau faire des véhicules de plus en plus grands, ah, tu dois pouvoir allumer les sièges. Est-ce que tu... Oui, gyrophare. Oui, tu peux allumer les gyrophares, ouais. Oh, trop classe. Au cas où le... vous ai raté. Coucou les zombies. Putain, ça les excite pas en tout cas l'hélicoptère, ils s'en foutent totalement quoi. Bon, faut pas qu'on se vainque trop de slan parce qu'après ça va commencer à laguer, donc je vais aller voilà, il commence à avoir des plots. Hop, on va aller prendre. Ah, ça c'était un camion. Quoi? T'as foncé dans un van. Oui, en fait, j'explique. Le problème, c'est que c'est bien que ce soit le signe qui conduise, mais il voit pas les véhicules sur la route. Ah ouais, moi je suis toujours plus loin. Moi je continue de conduire là. Non, mais tu conduis, mais t'as juste défoncé un van, mais c'est pas grave. Enfin, toi tu t'es pas arrêté, par contre lui il a volé, hein, mais. Écoute, moi j'ai rien, pas de choc que dalle, donc. Ouais, non, mais je suis d'accord que je vois pas de choc à l'avant du véhicule. Mais on sent avec les éclats de verre dans le visage, tu sais, mais non, bah j'ai rien vu. Non, mais t'inquiète pas, je vois rien. Hein. Tout va bien, tout va bien. Par contre, c'est vrai que je suis aveugle maintenant, mais bon. Là, tu vas pouvoir éteindre les gyrophares, y'a plus l'hélicoptère là. Ah bon, déjà ? Ah si, je l'entends. Non ? Ouais, il revient, ouais. Il cherche. Ah, moi je l'entends plus. Si, il y est. Bon, on va et alors, non seulement je vais le mettre puissance max. Et voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont pas l'air très réactifs, hein.
Des zombies, mais on est en pleine journée là. Ils sont tous. C'est vrai. Et alors là, tu vas me dire que tu n'as pas vu non plus le véhicule que tu viens de totalement défoncer alors. Oui, j'ai roulé sur un zombie moi. Bah moi, je vous invite à aller voir la vue de Dame Ned hein. Tu as roulé sur une voiture, mais c'est pas grave, si vous voulez savoir ce que fait le signe, allez voir la vue de Dame Ned. J'ai roulé sur un zombie. Non, non, t'as roulé sur une voiture, mais c'est pas grave. Là, je peux plus avancer parce que ça charge. D'accord, bah moi je vois le truc chargé, c'est marrant. Enfin, marrant. Ah, j'entends de nouveau l'hélico. Ah ouais, Non, ça je suis impatient de voir ce que tu vas défoncer juste après. Ah bah tout. Du coup, je vais faire demi-tour comme ça. Et il va traverser une maison. Ah, un zombie en moi. Non, non, une maison, mais c'est pas grave. Faudrait que tu les installes les modes, les modes, toi. J'en vois plein sur le... Lesquels ? Sur le parking, les des véhicules. Mais ah, ceux sur la plein. Route, tu les vois pas. Non, là je confirme, moi, t'es à côté d'un camion. En face, il y a une voiture rose, une ambulance, un véhicule blanc. Et là, celle qui est à droite, que t'as défoncé, tu la voyais pas sur la route à l'envers, sur le toit. Ah non, mais j'en vois toujours pas. Je la vois toujours pas. D'accord, d'ailleurs, okay. Je peux. Eh, Damned, si tu veux, tu pourrais l'emmener à la. Roule. Je peux pas rouler. Non, mais roule, putain. Je me fais frapper, merde. Mais elle marche plus. Ça marche plus. Putain. Ça, c'est fausse. Change de siège si tu peux. Ok, descendu. T'es plus dedans. Ouais, c'est bon. Ah putain, laisse-moi rouler, s'il te plaît. Ah, le bordel. Damned, si vous avez l'occasion, vous pourriez aller chercher les remorques. Ouais, bah je sais plus où c'est, je suis perdu. Mais tu peux monter dans le véhicule, hein, si tu veux. Hein. Te souviens pas, t'as fait le trajet de retour. Oui, mais là, je sais même pas où je suis, si tu veux. Ah, oui. Et du coup... Vas-y, je suis dedans. Putain, mais... Mais c'est de la merde, ton camion. Mais il roule pas. Je t'ai dit qu'il roulait pas. Ah ça y est, la map, il avance. En fait, c'est dès que t'es dedans, il roule pas, mais dès que tu es tout seul dedans, il roule. Bah oui, parce que moi, la map charge plus, là, donc je pense qu'elle doit être plantée. Vas-y, roule. Roule, Damned, t'occupe pas, roule. Ou alors ton personnage est un peu trop gros, quoi. Il fait trop de poids dans le véhicule. Bon bah, je suis désolé, salut, hein. Vas-y. C'est plus ce que c'était, hein. Ah, des cigarettes. Ah, putain. On va dire que c'est la 4G, quoi. C'est ça. Elle a bon dos, la 4G, ouais. C'est clair. Je vais essayer de trouver une autre voiture. J'ai un petit problème, c'est que je sais pas du tout où je suis. Bah ouais, mais ça, c'est parce que tu m'as montré en la base. Hein. Donc je roule, mais alors je sais pas vers où. Je suis au Cardinal Plaza. C'est, vu que je viens de voir le signe passer, franchement. Vous devez pas être très loin. Oh putain. Pas très loin. Hein. Je viens de me faire téléporter. En fait. Beaucoup plus loin. Il y a toujours le camion là. Ok, d'accord. Donc c'est un petit peu buggy. Alors c'est le camion il est à la fois dans le sud avec Dame Ned et là devant le signe. C'est ça. Tout c'est dommage. Ils vont revenir avec deux camions. Il y a le moteur qui s'arrête, c'est pas possible ce truc. Il était réparé mon moteur, qu'est-ce que tu fais à mon camion? Non. Oh là là, je sais pas comment tu répares les moteurs mais... T'as cassé mon camion quoi. Il s'est cassé tout seul. Je suis hyper déçu par ton attitude, Damned. Bah peut-être, mais... Je suis hyper déçu par ton moteur. Et quand le signe il propose aux gens de faire des tours en voiture, on n'est pas nombreux hein, à lever la main. Non, à c'est dire, sûr. Moi. Il y a 6 places. Ah non, c'est complet. C'est déjà 2. Ok, je sais toujours pas où je suis, mais je roule. Hein. Mais je t'en prie. Roule. Tu viens de rouler sur le signe. Tant que lui ne l'a pas vu, tout va bien. Non, lui il a pas mal. Qu'est-ce que c'est, mon camion, le signe? Peut-être tu vois un gros truc en sang avec écrasé si. Sur le sol. J'ai c'est dommage. Le signe apparaît dans mon camion. Ah, comment klaxonne? Il est sorti. Il est dedans. Ouais, il y avait la clé. Bah oui. Mais il est. Ah, mais je comprends pourquoi je roulais pas vite. On peut mettre le limitateur de vitesse. Bah oui. Je sais pas. T'es dans le coin, le camion rouge dans lequel. Non, le camion rouge que t'essayes de ramener là, il est presque à la base. Hein. Comment ça, il est presque à la base? Je sais pas où tu en fait, le vois, mais. T'es à 2 mètres de la base en fait, t'es à pied, mais comment... plus vite. Ah, mais comment tu sais que je suis en train d'essayer de rentrer dedans si tu l'as enlevé le camion? Parce que je vois ton nom qui apparaît dessus.
Putain, c'est complètement buggé. Que quelqu'un entend mon klaxon. Ah ? Non. Mep, mep, mep ! Non, personne ? Non, non. Bon, bah, je suis loin de vous alors. Moi, j'entends toujours l'escalier. En même temps, mon personnage est malentendant. Tu pourrais très bien être en train de klaxonner dans la rue, que j'en saurais rien du tout. Comment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, mais le zombie que j'avais tué est réapparu, quoi. C'est la tristesse, ça. C'est incroyable, comme si t'avais pas existé. Bah, non, mais le truc, c'est qu'il y a son cadavre, il y a son cadavre juste à ses pieds, mais il est réapparu quand même. Tu serais pas sorti avec la clé du moteur par hasard ? Bah, si, peut-être. C'est ce que. Il roulait jusqu'à ce que je sorte, et puis je fais. Bah, il était dedans. Ah, bah, je viens de réapparaître dedans, tiens. Ouah, barrage de police avec des flics qui sont avec des fusils à pompe. Heureusement, ils sont morts. Ok, t'es vraiment parti loin dans le sud quand même là. Peut-être. Je crois qu'il va être temps d'enfiler les trucs de protection parce que ça devient la merde là. Par contre, c'est énorme, t'as des barrages de flics et t'as des flics avec des casques et tout. C'est trop classe. Bah oui, on est passé par là quand t'es rentré. Ouais, mais alors, même si je roule dessus, y'a beaucoup de monde quand même. Hein. Ouais. Et avec ce putain de moteur qui s'arrête. Ah, c'est la merde. Franchement, je suis super déçu quoi. J'avais réparé aussi, ce camion et tout, et tu me mets dans la merde avec. Putain, ils s'arrêtent encore, ils vont péter la vitre. Mais t'es mort. J'ai du chocolat, moi. Ouais, bah toi, hein. Et du poivre et de la. Oh, j'ai plein de trucs bons à bouffer. Je le hais, ton camion, je le hais. Je le brûle au cocktail Molotov quand on rentre. Quand on rentre. Tu me le répares. Ouais, si je rentre un jour. Elle te plaint pas, moi je suis coincé sur le parking et toutes les zones autour elles sont noires, elles chargent pas donc je peux rien faire quoi. Ah merde. Ah bon. Ouais, bah je pense que ça a dû bugger. Par contre j'ai vu Katox là, ça y est Katox, je t'ai vu. Je te vois. Ah, je crois que j'ai porté sur moi. Je crois que j'ai trouvé où c'est chez. Ah non mais ça marche pas de me téléporter, on le sait ouais. Ah oui alors. Ouais, c'est vrai, ça marche pas ouais. Regarder une carte au volant, c'est pas une bonne idée parce que quand on enlève la carte et qu'on regarde devant soi, il y a une voiture, il y a plus de moteur et il y a 30 zombies autour de toi. On a perdu Damned. Par contre, il démarre vraiment plus là, ça y est, il est KO et je sais pas comment sortir. Ah si, ça y est, démarre, putain. What? Non, il s'arrête. Oh putain, comment je fais? Je vais crever, c'est pas possible. Alors non, que tu vois, tu serais resté avec Katox, et ben c'était bon. Je suis tombé. Je suis désolé, je l'abandonne ton truc. Hein. J'ai plus de batte, je vais sortir la deuxième arme. Voilà. Bon, bah alors... moi de toute façon, je pense que je vais déco parce que c'est devenu critique. Mais c'est pas grave. Hein. Bah c'est je peux rien faire, j'ai essayé de te téléporter sur moi hein, déjà. Ah ouais, non mais je sais, mais c'était pareil quand j'avais été chercher le cric là. J'étais coincé dans une toute petite zone de 4 de côté. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé à sortir du camion. La mauvaise, c'est que je suis tout seul au milieu de nulle part. Mais t'es pas tout seul, on est là. Alors, ouais. Tu mets ta map en mode carré. Hein ? Ouais. Là, tu vas vers le haut. Vers le haut, vers le haut, vers le haut, tout le temps. Qu'est-ce que t'arrives sur la rivière ? Ah, c'est là où il y a la rivière ? Nous, c'est simple, tu regardes ta map. Regarde ta map en grand. T'as deux petits bâtiments noirs au bord de l'eau. Oui, on est là dehors. Ouais, c'est là qu'on habite. Ah bon, fallait dire. Mais c'est la rue d'à côté. Juste à côté, les mecs. J'étais dedans depuis le début. Je tourne en rond depuis tout à l'heure autour. Ah bah là où j'ai crashé le camion, c'est le mur de notre usine en fait, les mecs. Il y a un gros trou. Gatax. Y'a pas de mal, hein. Bon, est-ce que je vais réussir à survivre quand je vais réapparaître ? C'est marrant ça. Je me suis dans un véhicule sur un parking. Il y a plein de zombies qui sont attirés vers moi. Et ils passent à côté du véhicule. Ils calculent même pas que je suis dedans. Ça peut être une planque en fait. Ouais, mais enfin par contre, ça marche pas toujours. Hein. Ou alors t'es en train de laguer comme moi. C'est juste qu'en fait ils te voient, mais t'es pas physiquement là où ils sont censés être. Non, 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 en pleine journée, ils sont à moitié aveugles. Hein. Bah, pas qu'à moitié là pour le coup. Hein. C'était bien caché. Ouais, ça doit être ça. Il est dedans. Un chargeur, un pistolet de 9 mm, une carte de crédit du moteur. Le moteur, il est mort. Grosso modo, j'ai un petit peu augmenté les zombies.
Ils sont un petit peu plus puissants que d'habitude. Mais j'ai activé le truc pour que la journée il soit tout mou. Donc, voilà. Ouais, mais c'est bien. Ça t'oblige un tout petit peu à avoir l'œil sur ta montre, quoi. C'est vrai, 17h30 d'ailleurs. Tu fais bien d'en parler. Tu dis ça comme ça. C'est vrai que le temps file, hein. Ah, tu vois, non, j'ai trouvé l'astuce, il suffit de suivre Katox et pouf, tu retombes sur la base. C'est bien. Et voilà. Et le camion dont t'as chopé la clé, il est là. Ça me dit bien que j'ai la clé, effectivement, donc... Par contre, on a plus notre bus, quoi. Franchement, je suis super déçu, quoi. Pour la peine, je vais prendre ta Viper et je vais aller chercher. Si tu veux, mais par contre, je te préviens, le moteur s'arrête, hein. Mais ça, c'est parce que tu l'as super mal conduit. La Viper que j'ai ramené moi, normalement, elle est en état. T'as pas ramené de Viper, toi? Bah, j'ai pas vu de Viper autre que celle que j'avais ramenée. Non. Tant pis. T'as dû ramener autre chose, mais... Ouais, j'ai ramené plein de trucs, du coup, je sais plus ce que j'ai ramené ou pas. El Michael Cathédrale. Saint-Michel Cathédrale. Ah, c'est à droite alors. Ouais, c'est ça. El Michael Cathédrale, bon, hein. Quoi. Ouais, elle, alors que c'est Saint, mais alors vu la police de merde. El Michael Cathédrale. El Michael Cathédrale. Oh la vache. Maqué. Saint-Michel. Alors, un petit torchon, on a ça ou pas? Normalement, on doit y en avoir ici. Je comprends pas, moi je pensais que si tu rentrais dans une église, t'étais protégé du mal. Mais visiblement, pas t'es protégé du mal, regarde. Ouais, ouais. C'est signe, il est dehors. C'est marrant à l'intérieur, c'est on dirait qu'il y a des curés qui me regardent bizarre avec des yeux rouges. Ah oui, c'est eux qui sont protégés du mal. Il y a un fou dehors avec son camion. Sortez plus. Sortez pas, les mecs. C'est totalement ça. Il était très bien, ce camion. T'es en train de rentrer à pied là, c'est ça? Bah tira le... Oui oui. Bah tira le chercher, hein. Bah tu me montreras où tu es. Non. Ah non. On va t'en ramener d'autres. Tu rentres. Tu sais pas où il est, lui. Ouais, tu crois qu'il a fait une petite croix là où il y a ton camion? C'est bah, clair. J'espère bien. C'est à ça que ça sert, les crayons. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais sortir de ce bâtiment. Mais je voudrais boire. J'ai juste besoin de boire, en fait. T'as une heure pour rentrer maintenant. Ouais, c'est pas sûr que j'y arrive, hein. Putain, je suis rentré dans le seul bâtiment où il y a pas... Non, ça va être pire. Pourquoi? Je sais pas. Discret, ils verront pas. Ah, attends, il y a un Cardinal Plaza. Il y a peut-être de quoi boire là-dedans, non? Et surtout, pourquoi peut-être se faire tuer. Non, va pas dans le Cardinal Plaza. Trop tard. Ouais, t'as raison, faut pas que j'y aille, ça pue là-dedans. Trop tard. Trop tard. Après, il jette un coup d'œil autour de lui. Si tu veux, le Cardinal Plaza, les toilettes sont au deuxième étage. Non, non, ouais, ça va, non, c'est bon. Ça va aller. C'est que je suis en train de mourir de soif, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais, ça t'inquiète un peu, je comprends. Attends, là, je rentre dans un endroit, il y a une cuisine, il doit bien y avoir de... Oh putain, il y a un évier, mais alors il y a 50 zombies. Non, c'est une mauvaise idée. Parce que le temps que j'y arrive... Oh putain. Alors que si t'étais resté avec moi... Je m'en souviendrai de ton bus... Oui, bah, toi, hein. Moi je suis tranquillement en train de cuisiner un rôti à la base, hein. Ouais ouais. Facile quand on se fait téléporter. Quoi? Je me suis pas fait téléporter. Non, je l'ai téléporté, tu rigoles, ça a pas quoi marché. Ah bon? Bah alors comment ça se fait, t'étais sur le parking et t'es à la base d'un coup? Bah non, j'ai retrouvé la base tranquillement avec mes jambes, pépère. Quand il s'est déco reco, il était pas vraiment au même endroit comme d'habitude. Ah bah oui, c'est ça, ça aide ça. Alors que moi je suis au même quand je me suis reco, j'étais sur le même parking et je suis rentré à pied. Le parking il était à une rue de la base, hein. C'était exactement pour ça que je suivais cette route là et que t'es parti complètement à l'opposé. J'ai un triple problème, je suis en hyperthermie, je suis effrayé, meurs de soif, j'ai ma vie qui descend à vue d'œil. T'as vraiment pas une bouteille d'eau ou un truc du genre sur toi? Bah j'ai du bourbon, tu me diras, j'ai pas pensé. Bah ouais, bon un coup, du bourbon c'est parfait. Ouais, mais il sait pas boire en marchant. Le problème c'est que j'ai à peu près 200 zombies derrière moi à vue de nez. Bah tu choisis, tu meurs de soif ou tu meurs des zombies?
T'inquiète, on va te sauver. Pas sûr. Si, c'est sûr. Oh putain, oh putain. Ah, déjà j'ai plus soif. Par contre, je suis trempé. Ah si, j'ai toujours soif en fait. Boîte à sueur. Oh là là, mais quelle catastrophe. Ah, ça tape là. Et tout ça pour revenir au parking où le signe est sorti du camion. Voilà. Ouais, mais du coup, si t'es revenu au parking, c'est qu'on est pas loin. Attendez, attendez, j'ai vu un fourgon. J'ai vu un fourgon, revenez. Revenez. Pitié, sauvez-moi. Slan. Pitié, Slan. Oh. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, j'ai jamais aussi été content de te voir de toute ma vie. Alors que moi, je voulais te chercher, mais il voulait pas. Aouh. Ah, mais mon mec, il est en PLS. Comment on fait quand on est en hyperthermie? Bah, on s'habille, on enlève les vêtements. Ouais, et tu bois de l'eau. Ouais, on se met à poil, hein. Pourquoi enfiler? Bah non, pas enfiler, je les ai déjà. Désenfiler? Défiler? Je sais plus trop où on est, là. Bah si t'étais au parking, c'est tout près, hein. C'est la rue juste à côté. Faut que je revienne vous chercher. Non. Blessure légère, ouais. Bah et au moins tu vas, je vais boire le bourbon, hein, tranquillement. Il y a du monde ici, dis donc. Fais gaffe, je suis revenu au parking si vous voulez. Je vois pas grand chose, Slan, et ça arrête pas de. Ah t'es plus là. C'est normal que j'ai un écran noir et que c'est en train de se remplir de taches de sang? T'es encore plus là. T'es mort, sérieux? C'est normal que tu fais marche arrière et que tu passes à travers une maison? Non, non, non. Mais moi, je te vois plus dans la camionnette. Pas bah, moi, ça y est, je me vois. T'es sur l'herbe là, non? Ah, ouais. Vois plus. Bah, ça y est, je vois plus rien. Bah, de toute façon, il faut qu'on arrête l'épisode, donc je pense que. Je te ramène, une voilà, bonne occasion. Attends. Je sais pas si je peux descendre. Si, t'es là, c'est bon, c'est nickel, t'es là. Je descends. Oh putain. Voilà. J'en peux plus. Allez, va te sauver. Oh. Tiens, merci, je te laisse une épave ici. C'est gentil. Garé sur un zombie en plus. J'ai jamais De toute façon, je vais te dire, j'ai roulé sur tout ce qui. Je l'ai ramené le plus vite possible. Enfin, en faisant 50 détours parce que je me suis paumé 15 fois. Mais je l'ai ramené le plus vite possible sans m'occuper de ce dans quoi je rentrais. Il y a de quoi bouffer dans le four si tu veux. Ah ouais, jamais été aussi content de ma vie de voir la base. Il y a marqué vider le plat à rôtir, mais ça le vide dans ma bouche ou par terre? Non, ça le vide par terre. Et là, il meurt. Non, ça va mieux là, ça y est. Ah, j'étais en PLS, hein. Merci, hein. Rien, à plus tout le monde. À plus. Ciao, tout le monde.